Yo les gens, c'est Jambon. Donc on va faire un braquage or un peu spécial, c'est-à-dire que je vais neutraliser le moins de personnes possible. Et je vais pas faire du full loot, c'est-à-dire que je vais juste jouer sans la scie. Et mon but, ça va être de finir la mission au plus vite. Hop. Tac. Et normalement, je suis bon. Donc je vais essayer de faire ça, pour le coup, vraiment, vraiment en stealth. C'est-à-dire que dalle. Ok, donc déjà j'ai la vol du bon côté, l'autre côté c'est pas réalisable. Tac. Et je vais juste aller chercher ma security room. J'espère qu'elle est de ce côté, ce serait parfait. Ok, nice. Tac. Du coup. Ah si. Hey, il est bien calé là. Il est archi bien calé. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, tac. Maintenant, je vais juste aller chercher mon manager parce qu'en vrai, il n'y a que lui qui m'emmerde. Ok, donc on va lui fournir une sortie ici. Ainsi qu'au garde, bien sûr. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que mes... Hop, il est pas là. Là, j'aimerais juste que mes gardes en fait sortent l'un après l'autre de préférence. On check sur le toit s'il n'y a pas le managé. Il a pas l'air d'y être. Ok, donc là j'ai deux gardes. Le problème c'est que lui risque de me faire chier. À moins qu'il vienne vers moi. S'il vient vers moi, c'est du pain béni. Ok, nickel. Ok, donc là c'est pas mal. Mettre comme ça, si quelqu'un arrive, je peux le voir. J'aimerais vraiment que l'autre là-bas reste là. Oh, putain, c'est nice aussi. Sauf si le manager me chope, parce que l'autre il est là donc. C'est mon garde dehors là qui fait un peu défaut. J'aimerais juste que lui il bouge et que le manager n'arrive pas. Donc on va utiliser un coup de sixième sens. Apparemment il y a pas l'air d'y avoir grand monde autour, ce qui est plutôt pas mal. On voit pas le manager se déplacer, donc ça veut dire que autour de nous c'est assez safe. Tac. Ok, ça j'en étais sûr. Tac. J'ai mon premier bague ici. Et lui me faisait pas mal chier. Donc là j'ai plus de bague mortuaire, donc va falloir la jouer assez fine. Faut que j'aille catch mon manager. Alors si je pouvais le catch dehors, ça m'arrangerait. On va pas se le cacher. Ou même sur le toit, hein, ça me dérange pas. Malheureusement, il n'est pas là. Parce qu'en fait, c'est les deux seules personnes qui peuvent me faire foirer mon truc. Je vais juste aller récupérer la thermale en attendant. Bon, là, après, c'est full RNG, hein. C'est pas moi qui décide de quand il sort. C'est un petit peu au bonheur la chance. Et là, le problème c'est que. Bon, ah merde. Il y a ça qui me bloque. Lui là-bas, il m'emmerde un peu. J'aimerais vraiment catch le manager parce que si le manager il chope la drill. Encore un garde, je peux le gérer, mais le manager c'est un peu plus compliqué. Donc je sais, je fais beaucoup de rondes. Tac. Ok, donc là il est pas un endroit auquel je peux le tuer. J'essaye vraiment de catch toutes les sorties. Et vu que le manager se déplace dans la map, il
faut que je puisse le voir. Alors là, je pense que mon idée de foutre ça, c'était pas ouf. Ah, quoi que ça n'y est plus. Lui, ce serait bien qu'il vienne là, ou dans le coin, ou dans l'office, ou je sais pas où il veut, mais pas en plein milieu de tout le monde. Pour le coup, tout à l'heure, j'ai fait la mission, j'avais un très très bon setup. Malheureusement, en fait, j'ai pris la scie parce que je voulais faire le même genre, mais avec la scie, pour faire du full loot. Et on va dire que la scie a un peu réveillé la populace, donc... C'est pas croyable. Il manque deux personnes, quoi. Évidemment, il se barre pas où on veut. Il est juste derrière. Ok. Kick en place, blaireau. Ok, donc il va absolument pas où on veut. C'est génial. C'est vrai que j'aurais pu regarder là-dessus pour le suivre. Ok, donc je pense qu'il va sortir par derrière. Donc on va essayer d'aller le catch rapido. S'il sort pas, au moins il est derrière l'office. Donc là, personne viendra derrière pour regarder. Et là, mon garde est idéalement placé pour que je puisse le tuer. Ok. Donc finalement, on y est arrivé. Mon manager est attaché. J'ai tué tout le monde. Lui, il n'est pas visible. Et donc là, je peux commencer à placer ma thermale. What? Ok, donc peut-être que s'il y a un civ ici, il chope la drill. Ok, donc lui viendra pas me faire chier. Donc je voulais faire un sans contrôle. Ah non, il est où le colis? Ah, okay. Je voulais faire un sans contrôle, mais finalement, bon, bah, il y aura deux civs de contrôler, c'est pas la mort. En fait, s'ils sont assis là, je pense que là et là, ils le voient pas. Mais je pense que d'ici, ouais, ici, voilà, ils voient clairement la drill. Donc en fait, c'est ça qui me met dedans, quoi. Ça aurait été difficile. Là, en fait, je vais juste ouvrir un coffre et prier pour avoir de l'argent. Non, c'est de l'or, je crois. Ouais, j'ai fait braquage or. Donc, en fait, je vais juste prendre un bac d'or qui est sur la table et puis je vais me casser. Donc là, avance rapide. Donc du coup on se retrouve maintenant pour bah, tout simplement je vais essayer les clés jusqu'à ce qu'il y en ait une qui marche. J'espère que ça sera pas dans 3 quarts d'heure. Ok, nickel. Et c'est bon, je peux me barrer normalement. Normalement, j'ai rien d'autre à ramener. Juste faire attention au sieve. Donc finalement ça aurait été une journée merdique pour deux civils, un manager donc, et un civ normal. Et un civ à la con. Et les quatre gardes. Donc dans l'ensemble, bah voilà, on peut faire cette mission. Bon, évidemment elle rapporte rien. Hein, mais pas bon parce que j'ai rien pris. Mais on peut faire très bien cette mission sans neutraliser la foule. Et en fait je trouvais juste ça marrant à faire. Rien de plus, rien de moins quoi. C'est juste qui m'amusait, on va dire. Donc sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!